Véhicules de légende, de prestige, de collection avec Ferrari, Porsche, Lamborghini, Chrysler et les incontournables Corvette. Ford avec la légendaire Mustang et même des Françaises avec l'Alpine A310. Et bien d'autres encore étaient présents au rassemblement des dites voitures à Vertou, organisé par l'association Pôle Collection. Temps atmosphérique, 3 degrés Celsius à l'extérieur et 3 degrés à l'intérieur pour certains. Passion quand tu nous tiens. Mais que se passe-t-il donc à Vertou ? On fait le Téléthon, donc voilà, on est le 4 décembre, c'est une cause qui nous tient à cœur. On va se décaler parce que ça y est, les voitures arrivent. Moi en fait, je suis la présidente du club Pôle Collection et cette année, c'est une première, on se lance pour faire des baptêmes de voitures pour les gens et toute la somme est intégralement reversée au Téléthon. Pourquoi choisir le Téléthon ? Parce qu'en fait, on se rend compte quand même que ça impacte énormément de familles, la myopathie et toutes les maladies qu'on peut connaître et qu'on connaît moins. Donc la recherche pour nous, elle est hyper importante. Il faut savoir que Pôle Collection œuvre souvent pour des associations caritatives. On a fait le Rallye du Cœur l'année dernière et cette année, on voulait faire le Téléthon. Et vous, qui êtes-vous donc ? Pôle Collection, c'est une association donc, à but non lucratif. On a 250 adhérents, donc c'est énorme. On est un gros club sur la Loire-Atlantique. On accueille les voitures de collection, les voitures de prestige et les voitures sportives. Et d'où vient cette passion ? Cette passion, elle vient depuis ma jeunesse. Un papa qui est passionné par l'automobile, ensuite un mari qui est aussi passionné par l'automobile. Donc forcément, j'ai été plongée dedans très jeune. Et pour moi, c'est vrai que c'est le patrimoine français, c'est aussi l'automobile, la culture automobile. On parle aussi un peu de liberté ? Ah oui, complètement. La voiture, c'est la liberté. Je suis entièrement d'accord, je partage cet avis. Et quelle sensation de rouler dans des super belles voitures ? La sensation, elle est de toute façon, on voit bien que là, les petits jeunes partent justement dans les voitures les plus, les moins touchables en fait. C'est-à-dire que c'est des voitures qui ont des gros moteurs, les sensations sont quand même énormes. Et puis aujourd'hui, avec le développement des voitures électriques, certes, mais le patrimoine, il est là. C'est quand même toujours agréable d'entendre un moteur vibrer, quoi. Rombrir. Il y a donc beaucoup de passionnés qui viennent de partout quand même, c'est pas que Vertou. Hein. Ah non, c'est pas que de Vertou effectivement. En fait, on a des passionnés qui viennent de la Vendée, du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique. Ils viennent, en fait, nous, c'est un rassemblement mensuel à la base, donc tous les deuxièmes dimanches du mois. Et en fait, nos passionnés, ils viennent chaque mois au rendez-vous, ils sont là, ils sont toujours là. Magnifique, superbe voiture et manifestation à but caritatif très réussie au profit du Téléthon. Près de 200 baptêmes au modique prix de 10 euros la balade dans Vertou ont permis aux passionnés, aux amoureux des belles carrosseries de monter, juste pour le plaisir, une fois dans ces voitures d'exception. Ont permis à l'association Pôle Collection de reverser 1350 euros au Téléthon. Jeu de mots facile. Pôle Collection, cette association au grand cœur est bien en pole position.